nous sommes ici réunis à l'initiative, disais-je, de l'association Jimmu TV pour la mémoire. Et c'est la troisième année que nous nous retrouvons dans cette belle salle, dans cette belle salle du cabinet Matière Grise. Alors, l'année dernière, en parlant de devoir de mémoire, nous rappelions que ce n'était pas qu'un moment présent qui nous rappelait le passé, mais c'était un moment qui nous projetait dans notre avenir aussi. C'était le moment des bonnes pratiques, mais également des mauvaises pratiques qu'il nous fallait distinguer. Eh bien, l'actualité d'aujourd'hui au Congo nous rappelle que plusieurs fois, le mois de février et le mois de mars ont été des mois dramatiques dans la République. L'actualité nous rappelle encore que si nous ne nous mobilisons pas davantage, nous risquerons d'avoir à allonger la liste des victimes de l'intolérance, la liste des victimes de la barbarie et de la violence politique. Souvenez-vous, en d'autres occasions, nous l'avons tous dit, nous avons au Congo un régime qui s'est construit autour de deux mots d'ordre. Le premier, c'est le pouvoir est au bout du fusil, et c'est depuis 1963 que le pouvoir au bout du fusil a semé des cadavres. L'autre slogan qui est tout récent, c'est les larmes et le sang des autres, prononcé par celui qui aujourd'hui, en tant qu'autunier, a géré le Congo comme un patrimoine personnel. Devoir de mémoire, donc, c'est aussi se souvenir que nous n'avons pas que de mauvaises pratiques. Le Congo est truffé d'exemples. L'année dernière, encore nous rappelions que Ikoko et Diawara sont morts ensemble dans l'unité. Nos anciens qui sont ici savent que lorsqu'il y a eu la génération du MNR, il y a eu une génération qui se tenait dans les bras, notamment le M22. Ils n'avaient rien à voir forcément avec l'ethnie, la tribu. Ils avaient des idées en partage. Bonnes ou mauvaises idées, mais ils avaient quand même quelque chose en commun, des idées en partage. Mais ça nous rappelle aussi que Marien Ngouabi, quand il trouve la mort, il va emporter avec lui d'autres sommités de notre nation. Et ces sommités, Massamba Déba, le cardinal Nguyenda, représente tout autre chose que l'ethnie. Il représente tout autre chose qu'une ethnie. Marien Ngouabi, militaire qui a été dans les affaires politiques. Il nous rappelle donc que le pouvoir est au bout du fusil parce que l'armée s'est ingérée dans la politique. Massamba Déba, qui est un ancien homme d'État qui a gouverné le Congo et dont souvent on loue les réalisations, nous rappelle encore que le respect, lorsque les cadres, comme on disait au temps du Mouneau, les cadres rouges experts ont pris en main l'État, ils ont mis à côté la compétence. La compétence. Il nous rappelle également que Monseigneur Émile Bayenda, cardinal, c'est l'âme du peuple, la foi. Et lorsqu'on tue le cardinal, on tue un symbole important. Lorsqu'on regardera ce qui va se passer l'année suivante, 78, avec le procès Marien Ngouabi, on réalise également que la barbarie prend plusieurs formes, parfois emprunte le chemin d'une justice inéquitable. Tous ces défis qui ont été vécus par les Congolais peuvent revenir, mais devaient être mieux compris, devraient être mieux explicités. C'est pourquoi aujourd'hui, avec Eugénie, nous serons heureux de recevoir des amis qui viendront éclairer ces différentes séquences de notre histoire commune. Voilà donc, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons commencer peut-être un peu tardivement, mais je pense qu'avec la collaboration de tous et puis vos contributions, nous aurons certainement encore une fois une journée qui restera et que nous pourrons graver dans les mémoires de ce que nous faisons tous ensemble pour faire renaître le Congo uni, pour faire renaître le Congo de la solidarité, mais également pour s'acheminer davantage vers la justice, vérité et réconciliation. Je vous remercie. Depuis trois ans, l'association
Simou YTV, en mémoire contre l'oubli, m'a demandé d'accompagner donc justement cette structure en vue d'un travail sur la mémoire. Alors moi, je me pose en tant que, pas seulement gabonaise ou bantou, je pense que le débat qui nous concerne aujourd'hui ne touche pas seulement le Congo-Brazzaville, mais touche l'Afrique, en tout cas l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'il est intéressant d'engager ce type d'initiative parce que peut-être, et je l'espère sûrement, un travail sur l'oubli sera de plus en plus nécessaire pour avancer vraiment. Donc, un petit fait historique. Le 18 mars 1977, ce n'est pas un petit fait historique, mais en tout cas, c'est pour rappel. Je m'adresse aux personnes qui vont regarder cette conférence et qui vont se dire, mais nous sommes dans quel pays? C'est bien le Congo-Brazzaville, mais ce fait historique majeur concerne tous les pays africains. Donc, le 18 mars 1977, un mystérieux complot met fin à la vie du commandant Marien Ngouabi, chef d'État du Congo-Brazzaville. Et ce complot, la mort du commandant Marien Ngouabi, entraîne ce pays dans un cycle de violence à répétition. À tel point qu'aujourd'hui, on parle de popularisation de la violence politique. C'est devenu la norme au Congo-Brazzaville. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui explique ces violences à répétition au Congo? Pourquoi cette popularisation de la violence? Et la question principale qui nous interpelle aujourd'hui, c'est comment reconstruire, comment instaurer une politique du pardon au Congo-Brazzaville. L'association Simou YTV, en mémoire contre l'oubli, animée par Dominique Samba-Diakombi, réfléchit activement sur les enjeux à la fois éthiques, juridiques, sociaux et politiques dans ce pays, je vous l'ai dit, où la popularisation de la violence politique est devenue la norme. Alors nous avons invité 4 conférenciers, il y en a 3 présents et je les remercie d'avoir répondu à notre invitation. Vous entendrez tour à tour messieurs Apollinaire Ngolo. Il est journaliste politique, il a écrit un livre justement sur Marien Ngouabi. Il est enseignant et écrivain et c'est lui qui interviendra sur la thématique « Que reste-t-il du procès Marien Ngouabi 38 ans après ?» Deuxième intervenant, Lucien Pambou, chroniqueur politique. Il interviendra sur les crimes politiques au Congo-Brazzaville. Non, ce n'est pas le sujet, c'est plutôt un autre sujet. Alors, c'est l'incertitude du contexte politique congolais et la mort de Marien Ngouabi. Voilà. Et troisième thématique, de la guerre à la paix, les enjeux stratégiques du processus de sanctions, de réparation et de pardon, avec Claude Lecal, qui est chroniqueur politique, enseignant et chef d'entreprise. Sans plus tarder, je vais demander donc aux conférenciers de venir me rejoindre sur le plateau. Nous allons les entendre tour à tour. Ensuite, vous pourrez poser vos questions. Et je remercie toutes les personnes qui sont présentes d'être venues pour participer à cette conférence commémorative. Merci beaucoup. Merci, Génie. Voilà, Génie m'a présenté, je suis journaliste. Donc, mon intervention restera une intervention technique. Et j'ai été le premier à écrire en 1988 le livre « L'assassinat de Marien Ngouabi » ou « L'histoire d'un pays ensanglanté ». Alors, ce qui a retenu l'attention de pas mal de lecteurs, c'est le sous-titre « Un pays ensanglanté ». Mais je dirais que quelqu'un de prestigieux, plus prestigieux que moi, nous a déjà précédé là-dessus. Nous le connaissons tous, c'est l'abbé Fulbert Youlou. Après son exil à Madrid, il a écrit en 1966 le livre « J'accuse la Chine » publié aux éditions La Table Ronde. Ce livre, Youlou
est un, je dirais, un prophète. Youlou dit tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout. L'intolérance, la violence, le tribalisme va enterrer ce pays. Fulbert Youlou l'a déjà dit. Voilà. Donc nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Fulbert Youlou l'avait prédit. Je vais rester dans mon sujet. Que reste-t-il du procès Marien Gwabi 38 ans après? Alors, il a été dit ici, déjà, par Eugénie, je vais le répéter rapidement. Selon la version officielle, le 18 mars 1977, le président Marien Gwabi est retrouvé assassiné à l'heure du déjeuner. Et dans, à quel endroit? Dans sa résidence à l'état-major général des armées, l'endroit le plus sécurisé du pays. Les coups de feu sont entendus dans tout le pays. Et que se passe-t-il? Silence de mort. À cette époque, la télévision nationale ne fonctionne pas. Il n'y a que la radio. Silence de mort dans tout le pays. Personne ne sait ce qui s'est passé, sauf la rumeur. Et vous savez les dangers de la rumeur. Et à 17h30, tout d'un coup, la radio se met à fonctionner. On diffuse de la musique militaire et des chants révolutionnaires. Et c'est Abel Wilson de Sabeka, ministre de l'Information, qui annonce un couvre-feu de 19h à 6h du matin, sans en donner les raisons de ce couvre-feu. Vous vous rendez compte? Le peuple ne sait toujours rien de ce qui se passe dans le pays. Et la radio continue à diffuser la musique militaire et révolutionnaire. Et pendant la nuit, 11 officiers, 11 militaires, dirigés par le commandant Denis Sassou Nguesso, ils se font remettre les pleins pouvoirs par le parti. Mais cela viole l'article 40 de la Constitution du 24 juin 1973, qui stipule qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assume les fonctions de président de la République. Et à l'époque, le président de l'Assemblée nationale, c'était Alphonse Moussu-Poitou. Ironie du sort, le 5 avril après, le 5 avril 1977, Moussu-Poitou sera nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est curieux, hein, c'est un pays étrange. Voilà. Alors, c'est le lendemain matin, 19 mars, à 17h30, le commandant Denis Sassou Nguesso annonce à la radio la nouvelle. Alors, je le cite. Hein. Alors, il dit « L'impérialisme aux abois dans un dernier sursaut par l'entremise d'un commando suicide vient d'attenter lâchement à la vie du dynamique chef de la révolution, le commandant Marien Gwabi, qui a trouvé la mort, l'arme à la main, le 18 mars 1977 à 14h30. Et le commando suicide était dirigé par l'ex-capitaine Barthélémy Kikadidi, qui a pris la fuite. Alors, la junte qui se dénomme comité militaire du parti, alors, appelle Marien Gwabi déjà sous un nom, l'appellation l'immortel. Et ils disent même, je cite hein, la junte, « Nous allons poursuivre fidèlement l'œuvre de l'immortel Marien Gwabi. » C'est eux qui le disent. Mais que font-ils? Le 12 décembre 1975, Marien Gwabi avait créé l'état-major spécial révolutionnaire qui est dissous. La constitution est violée et curieusement, ils disent aux Congolais, nous allons poursuivre fidèlement l'œuvre. Mais quelle œuvre vous poursuivez? En commençant par démolir ce que l'immortel a laissé. C'est curieux, hein, vous allez voir, il y a des questions. Parce que je reste dans le sujet, que reste-t-il du procès Marien Gwabi 38 ans après? Alors, dans la nuit, la junte était dirigée par le commandant Denis Sassou Nguesso et le jour, la junte est dirigée par le colonel Joachim Yembiopango. Quel est ce mécanisme-là de... C'est curieux. Et je vais vous dire une chose qui a choqué tout le monde, c'est la première déclaration de Yembiopango. Je le cite, vous savez ce qu'il dit Yembiopango? Tous ceux qui ont mal agi à n'importe quelle époque
ont travaillé au 18 mars 1977. Même ceux à qui Marien Ngouabi a eu à pardonner doivent régler des comptes. Il parle même pour le mort. Hein. Pourtant, Ngouabi est mort, il parle pour Ngouabi. Aussitôt, vous savez ce qui se passe. L'ex-capitaine Kimbola Nkaya, il était chef d'état-major en 1966, il est froidement abattu à son domicile devant son épouse et ses enfants. Et à Massissia, là où habitait l'ex-capitaine Kikadidi, son domicile est dynamité. Alors, si vous dynamitez le domicile du principal suspect, mais comment on peut faire les perquisitions? Qui a donné l'ordre de dynamiter le domicile de Kikadidi? Suivez mon regard, on sait qui c'est. Voilà. Alors, les choses vont aller rapidement. Dans une affaire aussi grave, tout se passe rapidement. Donc, dans la nuit du 21 au 22 mars, une cour martiale est instituée. Et la cour martiale décrète ses sentences exécutoires au fur et à mesure qu'on les donne. Mais vous savez qu'une cour martiale est une cour qui juge des faits de guerre, car il s'agit avant tout d'une cour militaire qui juge en général que des militaires. Mais comment on peut juger des civils? Et non seulement le but d'une cour martiale est de juger l'action des militaires lors de conflits, mais il faut respecter les normes de guerre, les normes internationales qui sont la Convention de Genève. Or, après l'assassinat de Marien Ngouabi, c'est le parquet général qui aurait dû s'occuper de l'enquête. Et le 22 mars, un autre événement terrible se produit. Le cardinal Émile Bienenda est enlevé et assassiné. Et les assassins reprochaient au cardinal quoi? Ils disaient que le cardinal avait été reçu par Marien Ngouabi 30 minutes avant qu'il soit assassiné. Donc le cardinal s'était rendu à l'état-major pour lui enlever ses pouvoirs magiques pour que les balles du commando puissent l'atteindre. Et dans la nuit du 23 au 24 mars, le président Alphonse Massamba Déba est jugé et accusé par la cour martiale comme étant le principal complice de la mort de Marien Ngouabi. Il est exécuté à l'aube très rapidement. Les recours en grâce introduits par ses avocats ont été rejetés par le président de la République qui était le colonel Joachim Mbopango. Et les aveux de Massamba Déba ont été enregistrés sur un support diffusé, ce qui n'est pas une preuve. Et du 25 mars au 26 mars, la cour martiale demandait compte aux militaires qui étaient à l'état-major de garde, la garde présidentielle. Et le soldat en dessous, qui avait avoué avoir tiré sur le président pour l'abattre, il y a eu également Eluo, Mboro et tout, et ils sont rapidement jugés et fusillés. Et quelques temps après, les assassins du cardinal aussi sont immédiatement jugés et fusillés. Et je vais vous dire une chose, l'ambassadeur du Congo à l'époque à Paris, vous savez ce qu'il a dit? Je le cite, hein. On avait trouvé leurs aveux si accablants qu'il était inutile de les garder en vie et organiser des confrontations entre eux et leurs complices. Vous vous rendez compte? Comment arrêter cette justice expéditive, cette chevauchée sanglante? Comment pouvait-on rechercher la vérité et rendre la justice en si peu de temps? En une semaine, la junte a trouvé la réponse à l'énigme de l'assassinat de Ngouabi, bouclé l'enquête, mis en place une cour martiale, prononcé des condamnations, diligenté des exécutions. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et le 30 mars, curieusement, les Congolais apprennent qu'il y a un rapport de la commission d'enquête
qui est rendu public. Voilà. Disons encore que la junte qui a opéré était dirigée par l'ex-capitaine Kikadi. Il dit, mais pourquoi dire aux Congolais une nouvelle enquête encore? Que c'est Kikadidi qui se serait présenté comme étant le capitaine Mokolando, et Marien Gwabi sortant regarde, mais c'est pas Mokolando qu'on me présente. Et quand Gwabi essaie de se défendre, ils le conduisent sur le perron, et ils arrivent sur le perron, Marien Gwabi se défend tout seul, et il est abattu derrière par le sergent en dessous. Je vais rapidement pour qu'on puisse gagner du temps. Alors, ce rapport établit les complicités des membres de la garde présidentielle. Voilà. Et il précise aussi que Pascal Issouba et Massamba Déba avaient prévu ce coup. C'est eux qui ont organisé ce coup. Ça, c'est le rapport qu'il dit. Alors, ce qui est terrible, c'est quoi? C'est que cette commission affirme que les investigations se poursuivent et qu'elles apporteraient un éclairage sur l'assassinat de Marien Gwabi, et tous les responsables ne sont pas encore connus. Mais dans la mesure où les investigations se poursuivent, tous les responsables ne sont pas encore connus, mais pourquoi avoir fusillé Massamba Déba? Pourquoi avoir fusillé tous les membres de la garde présidentielle? Et arrive donc le fameux procès, donc du 3 janvier au 6 février 1978, le procès Marien Gwabi est ouvert. Alors, il est présidé par Assimi Kong, le vice-président, donc les membres du comité central, donc Richard Yeni, et le commissaire du gouvernement. C'est un bouillant monsieur, Jacques Okoko. Or, Jacques Okoko a déjà été 9 mois auparavant instructeur du dossier. Et pendant le procès, il est encore à l'accusation. Il continue à instruire, à perquisitionner et à inculper. Et même pendant le procès, il est parfois à la présidence des débats. Et en plus, il était le cousin de Marien Gwabi. Vous vous rendez compte? Et ce qu'il faut noter, ce qui est crucial, c'est que avant ce procès, on retrouve Kikadidi, là où il était caché. Vous savez ce qu'on a fait? On est allé l'assassiner. Je vous dis sincèrement, pourquoi assassiner aussi un témoin clé? Ce qui fait que tout ceux qui pouvaient dire la vérité sur Marien Gwabi ont été progressivement assassinés. Je vous dis rapidement une chose. Moi, j'étais jeune à l'époque, très très jeune. J'étais à l'université Marien Gwabi et puis à la radio. Vous savez, quand Kikadidi a été assassiné, son corps a été allongé à la sécurité d'État. Et ils ont demandé à la presse internationale et nationale de venir voir son corps. J'ai été, moi à l'époque, j'avais 20 ans, j'ai été voir le corps de Kikadidi. Il était en pyjama bleu, criblé de balles. Et ça m'a meurtri. Alors, maintenant, que découvre-t-on au procès de Marien Gwabi? On découvre que le 17 février 1977, un mois avant le 18 mars, les mêmes membres du commando s'étaient déjà rendus à l'état-major pour prier pour le président. Il paraît qu'ils avaient des visions, ils voulaient prier pour le président. Et ils avaient été arrêtés par la sécurité du temps, on les a interrogés rapidement et on les a relâchés. Mais comment ces mêmes commandos se sont retrouvés le 18 mars à l'état-major? C'est ce qu'on a découvert. Et on a découvert aussi que les 46 prévenus avaient été tabassés. Ils comparaissaient pour avoir... Ils étaient condamnés même d'avance, avant de comparaître. Et même parmi les prévenus, il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec le procès Marien Gwabi, tout simplement pour avoir une contradiction avec Ngwabi, pour avoir dit à Ngwabi, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec vous sur tel point, et ils étaient inculpés. Alors, et qu'est-ce qu'on découvre encore? Le 18 mars, le jour de l'assassinat, l'état-major était désert. Il n'y avait que des soldats illettrés qui étaient là. Tous les hauts fonctionnaires, les grands, les officiers supérieurs, tous les responsables politiques, était hors de Brazzaville, curieusement. Les motards de l'escorte présidentielle étaient en panne. Et ce jour-là aussi, vous savez très bien que la compagnie, la caserne de la garde présidentielle est à proximité de Ngwabi. Mais le jour où le président est assassiné, l'alarme ne sonne pas.
Donc Ngouabi est mort seul à l'état-major. Alors, malgré tous ces faits troublants, le verdict de la cour est féroce. 11 condamnations à mort. Je vais aller rapidement. Et Okoko avait dit une chose terrible. Il dit, mais vous avez, Massamba Déba a déjà été reconnu coupable. Alors, maintenant, ces prieurs-là, ben, ils sont coupables d'office, alors il faut les fusiller. Mais il n'y a jamais eu de témoignage contradictoire entre Massamba Déba Kikadidi et ces prévenus-là. Juridiquement, ça ne tient pas la route, tout ça. Et je vous passe sous silence les déclarations de Koko et de Joshua Yombi Opango à l'époque. Opango, Joshua Yombi Opango disait que les sentences seront appliquées intégralement. Il n'y aura pas de clémence. Écoutez bien ce que dit Yombi Opango. Je le cite. Hein. Dans l'histoire contemporaine de l'Afrique, le procès sur l'assassinat du président Marien Ngouabi doit être considéré jusqu'ici comme un exemple unique en Afrique. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et ce qui va arriver, je vais rapidement, c'est que le 5 février, le général Yombi Opango est destitué par Sassou Nguesso. Alors, tout de suite après, une requête en révision du procès Marien Ngouabi apparaît. Et qu'est-ce qu'il dit, Sassou Nguesso? Je le cite. Il n'y a pas eu de fait nouveau depuis l'enquête précédente et que la justice était intervenue définitivement au procès de 1978. Alors, je vais terminer là-dessus. Qui avait donné l'ordre d'assassiner Kikadidi? On n'a pas répondu à cette question. Pierre Anga, dans son testament, avait dit que Kikadidi avait rencontré Denis Sassou Nguesso avant d'aller à l'état-major. Et Sassou Nguesso avait dit que l'impérialisme aux abois avait participé à l'assassinat de Ngouabi. Mais il faut qu'il nous donne l'explication là-dessus. Il est où cet impérialisme aux abois? On n'a pas dit ça. Hein? Nous, on veut savoir. Alors, la Cour révolutionnaire d'exception qui avait été instituée en 1978 par le comité militaire du parti. Nous sommes d'accord. La Cour révolutionnaire d'exception a été instituée par le comité militaire du parti. Or, la création du CMP violait la Constitution. Donc, si le CMP violait la Constitution, tout ce que pouvait instituer le CMP était frappé d'illégalité aux yeux de la loi. Donc, le CMP ne pouvait pas légiférer au nom du peuple congolais. Et puis, l'illégalité du CMP, du comité militaire du parti, n'a-t-elle pas été actée par le coup d'État du 5 février? Si le CMP était légal, mais Sassou l'aurait gardé. Alors, ce qui est encore plus grave, l'institution de deux juridictions, la Cour martiale en 1977 et la Cour révolutionnaire d'exception en 1978, pour juger des faits qui avaient la même qualification juridique. Mais c'était une violation des principes généraux du droit. Et au procès de 1978, la violation de la règle de séparation entre les organes de poursuite, les organes d'instruction, les organes de jugement, mais c'était flagrant. Et ce qui est encore plus grave, l'instruction n'a été menée qu'à charge, uniquement à charge. Mais c'est du jamais vu dans le monde entier. Comme j'ai dit, les prévenus étaient d'avance condamnés. Et ce procès était une atteinte à la présomption d'innocence. Il existe des vices de procédure, comme la violation des droits de la défense. Aucun accusé n'a eu l'assistance d'un avocat avant le début du procès. Les prieurs de Massamba Déba, on a parlé des prieurs de Massamba Déba, qui recevaient des révélations et tout, pour aller prier, mais ils n'ont jamais été soumis à des examens psychiatriques. Il n'y a jamais eu de témoignage contradictoire entre les accusés de 1978, les cerveaux du complot, donc Massamba Déba et Kikadidi, et les accusés de
de 1900, les accusés de 1900, du procès de 1978, et Massamba Déba et Kikadidi, il n'y a jamais eu de témoignage contradictoire. Donc, le procès de la Cour révolutionnaire d'exception de 1978 est lourdement greffé de malfaçons, de contrefaçons. C'est la raison pour laquelle, dès l'énoncé du verdict, il a été frappé d'une requête populaire en révision. Cette requête populaire en révision n'a jamais cessé ses effets jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà. Merci à Apollinaire Ngolo. Vous aurez l'occasion de lui poser des questions tout à l'heure. Et je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur ce qui s'est passé ce jour-là, le 18 mars 1977, eh bien, lisez le livre d'Apollinaire Ngolo. Voilà.